Dans l'épisode 5 de L'amour est dans le pré qui sera diffusé ce lundi 18 septembre sur M6 avec Karine Le Marchand mais qui est déjà disponible en avant-première sur la plateforme 6 Play Max, Patrice va se rapprocher de manière inattendue de Justine et de Véronique. On vous explique tout. Deux prétendantes aux anges. Agriculteur star de la saison 18 de L'amour est dans le pré sur M6, Patrice a choisi de convier deux prétendantes pour le séjour à la ferme, Justine, au caractère bien affirmé et Véronique, plus réservée, mais qui ne cache pas lors des interviews face caméra son agacement face à l'attitude de sa rivale. Cependant, dans le prochain épisode du programme présenté par Karine Le Marchand, les téléspectateurs découvriront Justine et Véronique tout sourire, pour une raison bien précise. Attention, les prochains paragraphes contiennent des spoilers. Ceux qui souhaitent avoir la surprise de ce qui se passe dans l'épisode 5, déjà disponible sur 6 Play Max, doivent attendre la diffusion ce lundi 18 septembre en première partie de soirée sur M6. L'amour est dans le pré, M6, une ambiance idyllique entre Justine et Véronique, les prétendantes de Patrice en ce début d'épisode, les caméras de l'amour est dans le pré retrouvent Justine et Véronique affairées dans la cuisine alors que les proches de Patrice, dont ses parents, sont attendus pour le déjeuner. Ce matin, l'ambiance paraît fort détendue malgré une première journée pendant laquelle les jeunes femmes ont bien failli faire tout un foin, constate Karine Le Marchand en voix off. Et si est-il incontournable Justine qui, la première, explique à voix basse la raison de cette euphorie générale. Ce matin, on s'est croisé dans le couloir et puis il m'a fait un câlin sur le bras. J'ai senti que si est-il lui qui venait vers moi. Ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Je ne m'y attendais pas du tout, se réjouit la jeune femme. Avant de modérer son propos, mais je culpabilise aussi par rapport à Véro. Je vais essayer de rester neutre, mais ce n'est pas facile. En tout cas, je ne vais pas lui sauter dessus. Quelle prétendante Patrice de l'amour est dans le pré sur M6 a-t-il choisi au final? Du côté de Véronique, si est-il la même joie intérieure qui demeure, pour la même raison, j'ai passé une bonne nuit. Il est venu ce matin. Comme elle était dans la salle de bain au-dessus, j'ai dit si tu viens, si est-il que tu t'ennuies de moi par rapport à Véro. Tout de suite, il m'a dit que non. Et puis je lui ai reposé la question. Point, après il m'a dit oui. On verra bien. Je suis contente. Est-ce un moyen pour l'agriculteur de ne pas faire de jalouse? Visiblement, Patrice sait comment redonner le sourire à ses deux prétendantes, ironise Karine Le Marchand. Reste que les deux femmes n'ont pour le moment rien osé se confier à propos de ces scènes de tendresse, pour le plus grand avantage de l'agriculteur normand.